Rebonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et si vous êtes une ça commence bien. Et si vous ne savez pas ce que c'est Iva Sound Studio, c'est une asso où on fait du jeu vidéo, plein de jeux vidéo, un peu de radio et un peu d'autres choses aussi. Et toutes les infos sont en bas de Twitch, en bas de YouTube et sur Discord. Venez Discord, il y a plein de choses sur Discord. Voilà. Du coup, suite de l'aventure Metroid Dread, retour en Ferenia, après moult péripéties techniques, il va falloir refaire le petit quart d'heure perdu. Ce n'est pas bien méchant, on y retourne, et on vient d'arriver donc de ce côté de Ferenia, hein, d'ailleurs. On connaissait cette petite partie qui a été express il y a quelques jours, et maintenant, il va falloir faire le reste. Et ici, on se doute que c'est une zone émise qui ne va pas nous porter chance du tout. Voilà. Donc, on y retourne. J'espère que le décalage, ça va mieux. Hop là. On va clean un petit peu toute cette grande salle. Parce qu'on sait maintenant que c'est une grande salle. Hop là. Avec plein d'ennemis qui font mal. Pop bizarrement. Oh, j'ai plus de one shot, ou alors il. Ou alors il a explosé en même temps que j'ai tiré. Ça y est, je n'arrive plus à sauter, c'est génial. Très bien. Non mais oh, on s'amuse quand même. On va continuer de découvrir la salle. Mais c'est qui revient en plus. C'est bon? Bon, quand même. Hop là. Ça c'est fait. Par contre, je dépense énormément de missiles là, c'est pas bon. Ok. On se balade dans la grande salle. Non! Ah, ils me font moins peur maintenant ceux-là. D'accord. Ah, c'est bon à savoir ça. Il y a certaines choses, si je m'approche pas du parasite, il vient pas sur moi et du coup il pourrait repop. Je pense qu'il y a une histoire comme ça. Ouh, il y a un petit bout de map en haut là. Le tout petit bout de map, j'ai pas aimé. Hop là, le petit détour. Ah, mais bonjour. Pas d'accord en fait. Ah, mais ils sont tous revenus. C'est pas grave. J'ai clean ce que je voulais clean. Et je vais supposer qu'en bas ils sont revenus aussi, sinon c'est pas drôle en fait. Et non, pas forcément. D'accord, très bien. Alors là par contre. Là c'est bon. Je dépense beaucoup trop de missiles. Par contre l'araignée. L'araignée flippante. L'araignée flippante. Ok. Araignée flippante, c'est. Non, elle repop. Elle repop. Elle repop, c'est plus une araignée. C'est hyper dangereux maintenant Metroid, dis donc. Là, il y a un TP de couleur bleue. Pas des blocs à casser. Non. Ok. Et
Et là, c'est la zone EMI. Hop là, on y va et on repart. Il y a de l'eau. Ça va être une zone EMI qui va être une horreur, ça, en fait. Et ça, c'est du froid. D'accord. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'accéder entre les deux zones de froid. Mais on verra ça plus tard, c'est pas une priorité. Je pourrais aller me balader dans la grande salle en haut à droite. Quoique en haut à droite c'est de la glace, je pense. On va jeter un œil quand même, juste pour avoir la map. Histoire de savoir à quoi s'attendre. Français ça? Voilà. Et là, petit dash. J'ai plus de vie du tout. Pourquoi je passe par là? Pourquoi je passe par là? Hop là. Génial. Génial. Là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait que j'aille save pour garder la map en fait. Parce que là je prends un coup, je meurs. J'adore ce jeu. Oh! Mais vu que j'étais passé par la zone EMI, ça m'a gardé des choses. Bon, alors, petit coup de froid et on remonte. Nickel. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Oh là là, le froid. Voilà. Ouais, ça c'est fait. Il y a tellement de combinaisons de touches maintenant, je ne sais plus trop sur quoi appuyer, ça me fait paniquer. Hop là. Oh là là, du froid. Hop là, on s'en va. Et tout en bas à droite, on va dire. Tac. Ça m'enlève une vie en entier. Sérieusement ? Ok. Bon ben on va garder un peu de vie sans passer par la zone de froid dans ce cas. Donc porte de froid, porte de froid. Ça. Tac, direct. Je pense qu'il va repop en vrai. Et oui. Non, c'est parole. Ok, c'est ça.
Oh! Il craint pas le froid, lui? Ok, j'ai rien dit. Il craint le froid. Il craint le froid. La porte là. Mais je peux pas passer en fait là. Demi-tour. Demi-tour. Et demi-tour dans la zone est mis. Pourquoi ça clignote ça? Ça clignotait pas avant. Je suis censé pouvoir y accéder? Ça sert toujours. Comment vous voulez que... Attendez. Je pense qu'il y a peut-être moyen. De se mettre en boule et de casser. Si j'y arrive. Non, ça ne fonctionne pas. Non, je pense que Chorizo là, je vais avoir besoin de ce pouvoir là. Du coup, il faut aller dans la zone ennemie. La zone ennemie qui est en bas à gauche. Oui, alors par contre, c'est vite de faire ça. Hop là, la zone ennemie. J'ai l'impression que la zone ennemie sera presque plus safe, quoi. Surtout que si je meurs, je reviens pile devant. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vient d'apparaître. Je pense que le Emi n'est pas loin. Voilà, il est derrière moi. Il peut aller dans l'eau. Il peut aller dans l'eau, oui, bien sûr. Vite, cours. Comment voulez-vous que je batte cet Emi si il va dans l'eau? Au secours. Dis-moi que t'es plus lent dans l'eau. Dis-moi que t'es plus lent dans l'eau. Dis-moi que t'es plus lent dans l'eau. La cinématique est plus lente, mais toi non. Ok. J'ai quand même pas de vie, mais avec un ennemi, ça sert à rien. À la limite. Non, ça c'est une valve. Donc, je ne peux pas y aller. Quoi cette bulle? Comment je fais pour l'esquiver lui? Non, c'est bon, il n'y a toujours pas de décalage. Je vérifie maintenant.
On sort de la zone ennemie. Ouf. Il y a quand même un truc encore là-haut. Hein. Par contre, la vie, c'est pas... C'est pas le mieux. Il y a des blocs ici. Mais avant de se faire tuer... Oh, trop bien. Punaise, la zone ennemie est méga grande. Elle est super grande. Ça n'annonce rien de bon. Punaise! Ça fait des choses dans toute la zone. Il va falloir être très malin là. Genre comme ça. Donnez-moi de la vie. Oh, oui, non. Lui, il est venu. Voilà. Et comme je veux de nouveau de la vie. Ah, ça repop pas. D'accord. Une sauvegarde. Les deux sauvegardes sont très proches, je trouve. Très très proches. C'est une porte. C'est bien une porte sur la droite. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, vu qu'il y a maintenant de la vie, on en reprofite. Si je meurs, au moins, je pourrai vivre un minimum. Bon, là, je peux pas passer. Voilà. Et... Quoi ? D'avoir comme ça, pareil. Non, il va se transformer. Ok, on retourne dans la zone ennemie du coup. C'est extrêmement punitif ça.
C'est quoi ça? Unité de recharge. Oh, je prends, je prends, je prends. Bien sûr que je prends. C'est quoi tous ces blocs là? Pas fini. Battre un ennemi dans une zone submergée, mais quelle idée! Quelle idée le jeu. Génial. Mais il m'attrape, il va plus vite que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette zone-là? Je sais même pas où il... Je connais même pas le chemin en fait. Et je reviens où? Je reviens derrière. Je reviens derrière. Punaise. Jusque là, d'accord. Donc la porte là-bas, j'aurais peut-être dû l'ouvrir. Ouais, mais il est juste là. Il est sur la porte. Donc j'ai bien fait descendre. Allez, on sort de la zone. Bon, maintenant moi si je meurs, je reviens ici. C'est déjà un point presque positif.
Au moins la porte est ouverte. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que... très bien. Je peux pas remonter du coup. Bah non. Bah non. Ça aurait été... Voilà, j'aurais pu ouvrir cette porte et je l'ai pas ouverte. Voilà, ça c'est fait. C'est gratuit. Absolument que j'aille sur la droite. Et du coup, je peux plus remonter ici. Parce que j'ai eu peur de cette chose. Alors que j'aurais dû avoir le réflexe d'ouvrir la porte. Punaise. Qu'est-ce que c'est ? Tiens donc, le vert, le gros vert. Sauf que non, en fait, je ne, non, non, non. J'arrive pas à sauter ici. Je n'arrive pas à sauter, c'est trop bien. Allez, deux missiles. Punaise, un boss. Qu'est-ce que ça va être encore? Je peux pas remonter pour sauvegarder. Si je vais là... Non, je suis bloqué. J'ai pas d'autre choix. Bon, full life, full missile, qu'est-ce que ça va être ce boss encore ? Un insecte, j'adore, un insecte électrique et arcane et si vous voulez, ombre. Et... Je sais même pas si je lui fais des dégâts en fait. Mais ça me suit partout. C'est quoi ce boss ?
Comment j'esquive ça? Aïe. Que c'est le boss dont j'ai le moins compris quoi que ce soit. J'ai l'impression que quand il est en électrique, je peux pas lui faire grand-chose. Par contre, il n'est pas en électrique, il prend des dégâts. Ça oui, 1, 2, 3, ça oui, si quand j'y arrive. Non, électrique ça ne fait rien. 1, 2, 3. 1, 3, raté. Là il est en électrique, je fais rien. Je tape pas, j'attends. Là il est. Et là je prends ça, génial. Je prends ça, il meurt. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je peux savoir sur ce boss? Un boss rapide et puissant, soyez agressif pour tenter de le tuer avant qu'il ne vous tue. Sans blague, c'est pas le principe de tous les boss. Hein. Il a un bouclier qui l'immunise à tous les dégâts. D'accord, donc c'est le truc électrique. Ce dernier ne se désactive que lorsqu'il a effectué une charge. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut lui tirer dessus. Mais il lancera deux types d'attaques en plus de la charge. Bon, la sphère noire, ça va. Je peux essayer de la mettre dans le mur. Les fléchettes noires, utilisez vos deux sauts d'Elfion. Donc là, c'est juste à esquiver. Ensuite, il y a une autre phase. Ok. Faut juste que j'esquive au maximum et que je lui tire pas dans le ventre. Enfin, faut juste que. Ça, c'est de la théorie. En pratique. Donc là, il est en bouclier. Sphère, 1, 2, 3. Là, ça va esquiver. 1, 2, 3. Là, il va pousser. Là. Là, il est en bouclier. Je suis allé dedans. Je sais pas si ça peut. Bon, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà.
fait, ça va être une affaire de patience. Donc, je pense que je vais jouer sur la longueur du boss. Et essayer de faire des tirs un peu plus précis. Tout en faisant un maximum d'esquive. Donc on va jouer sur le temps. Là il charge. Non il charge. Là il charge. Comment tirer et esquiver à maintenant. Là il y a un bouclier. Là je meurs. Et si autre chose que les missiles, ça pouvait le toucher. Ça m'arrangerait en fait. Non, ça ne fait pas plus de dégâts que ça. Ça ne fait pas des dégâts. Non, ce sont les missiles qui font des dégâts. Là il y a un bouclier. Je peux lui en mettre que 2. 3. Là il y a un bouclier. Là il fait quoi là? Là il me fait ça. Ça j'ai du mal. Là il va charger. 3. 1, 2. Là il refait le bouclier. Boule noire. Reboule noire. Charge, charge. Charge. Bouclier. En plus j'ai mis un missile à côté. Et ça me fait mal. Voilà, je prends la boule noire, je prends pas le boss, c'est génial. La fumeur. Ça a l'air mieux. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Pour moi je pense que oui. Après un avis extérieur est toujours bon à prendre. Ok d'accord, je la prends en pleine face hein, là. Là je sais pas esquiver ça. Là il va charger, hop là, déplacement. 1, 2, on attend, 1, 2, 3. Là j'en ai mis un plus. Là il fait bouclier. 1, 2, tac. Finaise. Non, en plein dedans encore. Mais là, il charge. Et le pire, c'est qu'il y a une autre phase. Hein.
Oh. Oh, phase, stop. Phase 2. Phase 2. En fait, il est venu sur moi et il m'a tué. C'est ça le truc? Oh. J'arrive pas! J'ai tenté un déplacement phasique et c'est allé dans le boss.
méga cher. Ah, ça me heal. Je peux pas faire un déplacement très vite, sérieusement. Bon bah, boss battu. Okay. C'est bon, il est battu. La phase 2 était pas si intéressante que ça en vrai. Missile tempête, ok. Oh, c'est intéressant ça, je viens de voir le gif. Je regarde le gif, après je le lis. Trop bien. Ok. Permet de verrouiller jusqu'à 5 cibles et de tirer une salve de micro-missiles à tête chercheuse. Maintenez R pour commencer à charger les missiles. Une fois qu'ils sont chargés, une visée laser jaune apparaît. Utilisez-la pour désigner jusqu'à 5 cibles. Après cela, appuyez sur Y pour lancer une salve de micro-missiles. Consomme 3 missiles par cible. Ah oui, quand même. Samus peut s'en servir pour attaquer plusieurs points verrouillés à la fois, efficace contre des ennemis recouverts d'un champ électrique. Ces missiles peuvent également être utilisés pour activer les caisses missiles tempête. Les caisses bleues, je suppose. GG, pardon, j'avais pas vu. Merci. Je peux pas remonter. Non, je peux pas remonter. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je dois aller en dessous. Ok, donc les portes vertes, je viens de capter. Très bien, ça c'est fait. Faut sauvegarder. Maintenant, on réfléchit. On va jouer cette porte à un moment donné, quand même. Faut que je fasse tout le tour, que je revienne là. Et que j'aille ici. J'aille au point rose. Il faut que j'aille au point rose. Je crois qu'il y avait des choses ici, là. Ah, mais tout ça, je peux pas y accéder en fait encore. Je peux pas accéder là. Donc la zone du bas, faut que je l'oublie. Je pense qu'on va aérer un peu. En vrai. Quoique.
punaise, il y a lui là. Sauvegarde en bas, j'aimerais bien voir ce qu'il y a ici et déverrouiller ça en vrai. On va faire ça. Ça c'est fait. Maintenant, je traverse sous l'eau. Allez, s'amuse. D'où il m'a trouvé? Ok, je suis passé. Et je suis passé, c'est déjà pas mal. Par contre, j'aurais aimé clean la petite zone là en bas. J'ai le droit ou pas? Je crois pas que j'ai le droit, il faut que je fasse le tour. Quel bonheur! Mourir. Bah oui, il me tombe dessus. Bon, c'est pas grave. Normalement, je suis à l'entrée que je voulais. Ouais, bon, il y a ce petit bout là, mais c'est pas grave. Faut monter. Où les ennemis? Tout droit en bas et on monte. Tout droit en bas et on monte. Il y a ça là. Je veux récupérer ce pouvoir là en fait en vrai. Donc non. C'est direct en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est direct un boss. Mais prévenez-moi. Je comprends mieux pourquoi il y avait des choses là. Je sais pas gérer deux boss en même temps. Hein. Un PV, allez, meurs. Punaise, c'est les frères jumeaux, quoi.
Je savais bien que cette salle était importante. C'est trop évident. Un truc que je trouve dommage dans les Metroid, et enfin, c'est le principe des Metroidvania de toute façon, c'est qu'on ne voit pas la vie des ennemis. Et du coup, à part des fois quand ça change de phase, on sait pas réellement où est-ce qu'on en est. Ouf. Il m'a mis une claque. Punaise, va en avoir un seul. Voilà, je fonce dedans. Je lui dis bonjour, je serre la main et je meurs. Bon, ils ont l'air moins vifs parce qu'ils sont deux. Ils ont l'air de m'attendre un peu. J'ai l'impression que le jeu est gentil. Mais par contre, j'ai vraiment pas masse de vie, quoi. Je vais pouvoir faire ici. Mort. Oh. C'est de la violence gratuite, ça. N'y arrive pas. J'ai besoin de plus de vie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régène quelque part? Faudra que je retourne super loin en fait. Thank you.
Oh punaise. J'ai besoin de plus de vie. Comment je... J'ai besoin de plus de vie, je peux pas revenir en arrière sans accéder à cette grande salle de boss. Là, le seul moyen, c'est de retourner voir Amy sans mourir, déjà d'une. Et à la base je voulais monter. À la base c'est là que je voulais aller. Pourquoi j'ai poursuivi mon chemin en fait? Parce que techniquement je peux revenir ici. Remonter. Pourquoi je suis allé aussi? Pourquoi j'ai dépassé? Ça m'handicape en fait. Il m'a pas vu. Par contre, il y avait un truc en dessous. Descends. Il va m'avoir ici. Et dire qu'il y a des gens qui ont réussi à finir le jeu sans mourir. Je sais pas comment ils ont fait. Insupportable les émirs, insupportable. Je suis même pas sûr si c'est vraiment pertinent ce que je veux faire, en vrai.
derrière moi. Aller où? Faut repasser par une zone ennemie en plus. Je vais m'amuser, j'adore. Oui, d'accord. Faut pas recharger d'ailleurs. Et lui qui revient dire bonjour. Une autre porte est mise. On va dire qu'il y a une petite avancée dans ce que je pense faire. Ouais, c'est mort. Comment il a fait pour ne pas me voir ? Ici, c'était pas là, c'était en face. Bah oui, c'était en face, forcément. Ça c'est dégueulasse par contre. La bulle là. Ok, c'est bon. Alors, ça on prend. Voilà. Maintenant, on réfléchit. Pardon. Et au moins, on a ça de débloqué. Ça peut être très utile. Voilà. Punaise. Alors, par contre, sans ennemis, c'est... Mais au moins la porte est ouverte. Bon, ensuite. Non, ça, ça fonctionne pas. Je bloque partout au-dessus. Et là, j'ai ma vie qui est full life. Donc. J'ai pas mes missiles en entier. Donc on peut aller voir le boss. Voilà. Donc j'ai eu bien fait de faire ce que je pensais. Ah ouais, non, là, je prends des dégâts pour rien, j'ai pas fait un tir encore, je perds toute ma vie. C'est génial. Sure.
qu'il y a une autre phase. Ils ont une vie partagée, apparemment. Bon. La seule chose, c'est esquiver, tirer. Voilà. Voilà la strat. Par contre, je suis pas full missile, quoi. Allez. Quand il veut le double saut. Oh, ça manque kikine. Un boss, je veux bien, mais deux, quoi. Deux.
Oh, j'en ai marre. J'en ai marre, marre, marre. Du tout, ils sont rapides. Pire boss, quoi. Pire boss du jeu. Thank you.
Et il me tabasse, quoi. Qu'est-ce que je passe? J'ai beau spam, je ne comprends rien. Je fais ce que je peux. Là, vraiment, je sais pas quoi faire de plus. Hein. Oh, punaise. Ah, Edin. Thank you.
Enfin, c'est pas trop tôt. Il fallait juste appliquer la technique du machin chargé. Je pensais qu'il c'était tellement lent à charger qu'eux étaient trop rapides qu'il fallait pas faire ça. Et en fait, si, il fallait quand même le faire. Ok, très bien. Où vais-je? En haut, je suppose. Sauvegarder. Déjà, on va sauvegarder, oui. Oui, on va sauvegarder. C'est une très bonne chose, la sauvegarde. Y'a pas des choses à faire là. Non, c'était pas là. Et forcément, je me fais avoir. Passer par là. Ah oui, pour le truc là-haut. Mais je vais pas remonter. Si, je... du chorizo. Enfin. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Un saut spatial. Permet à Samus d'enchaîner plusieurs sauts pendant un salto. Oh. Appuyez au B sur B au bon moment. Ah, dextérité. Lorsque utiliser Samus ne peut pas prendre son temps. Lorsqu'elle utilise sa technique sous l'eau. Ah, mince. Mais du coup, en termes de d'amélioration de ça, il me manque en boule, il me manque deux choses pour Samus, notamment les blocs bleus, je pense. Et en d'hiver, il me manque un truc. D'accord. Je sais pas du tout si c'était par là, en vrai. Mais Et vu qu'il y a du grappin, il y avait le pouvoir, je continue à aller par là. Non, c'est pas par là. Ce n'est pas par là. Ah si. D'accord, j'ai compris le... D'accord. J'ai compris le truc. Rose.
Alors celle-là pour l'avoir, la boule rose, bon courage. Bon courage. Oh. Intéressant. Très intéressant. Je pense qu'il y a moyen en vrai. Non, c'est pas comme ça. Faut refaire. Tac. Et là, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tac. 1, 2, 3. Et si j'ai fait Y en même temps. Alors attendez, je refais. Tu me mets là. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Ah d'accord, si je fais Y, ça me l'enlève. Mince. Mais il y a quelque chose ici. Et il y a quelque chose ici. Bon. Je pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit là. Bloc rayon. Je sais plus si j'avais jeté un œil là-haut en vrai. Hop là. Il est parti. Ah mais c'est que ça reste quand même du bloc précipice là. Ce n'est pas bon. Ouais. Bon. Celle-là est détruite. Où vais-je? Là, il y a du froid. Je peux tenter juste d'ouvrir la porte. La porte. Là, il bloque précipice. Je peux peut-être jeter un œil là-haut. Ouais, on va faire ça. Sauvegarde.
bouclier. Et je voulais aller en bas. Ces blocs là je peux pas les... faut que j'aille où du coup? Là c'est fermé. Là c'est bloqué. Il y a une salle en haut quand même ici. Il y a un passage quelque part là. Sûrement par là, mais je peux pas faire quoi que ce soit. Oh, ce serait peut-être un rapport avec la combinaison de gravité. Tenter un chemin là-dedans. Non, là-dedans c'est pas possible, la case est grande, je vais mourir là-dedans, je vais sûrement mourir. Là c'est pas clean ici. Je peux pas accéder au TP bleu, ça m'arrangerait en vrai. Je crois que le TP bleu je l'ai jamais pris. Mais en même temps c'est logique, sinon il y aura un passage. Je pourrais peut-être sauvegarder, tenter de voir ce qu'il y a là. Mais tout à l'heure, quand j'ai scanné, toute la map s'est affichée. Donc du coup, ça veut dire que ça, c'est pas une case. Ou alors c'est une case secrète. Ce serait bizarre d'ailleurs. Mais c'est hyper risqué. Hein. Mais j'ai pas d'autre idée. Je n'ai pas d'autre idée. Ah punaise inconnue. On s'en va. D'accord. Ok d'accord, va falloir qu'il tout ça. Très bien. Ouais, ouais. Je meurs sur ça, ça me la fout mal. Déçu.
pense qu'on va aller en arrière. Enfin, en arrière, dans la zone avant. Je sais pas pourquoi ils ont mis cet effet de caméra là, c'est très bizarre. Euh